Coucou maman. Bah alors, t'as passé un beau Noël? Ouais. Bon voilà, on a décidé de rester tous les deux pour toute la vie. Il m'a promis qu'il n'aurait jamais de copine, que je serai toujours l'unique femme de sa vie. Hein, mon chat? Tu m'as promis, hein? Devant tout le monde, hein? Ils sont témoins. Promis? Promis, maman. C'est quoi ce bébé? Mais t'es vraiment trop beau. Mais je veux rester qu'avec toi, moi. Non. Nihao. Milan, tu mets le chapeau? Allez, on met le chapeau. Allez, ça suffit. Allez. Pourquoi tu n'aimes pas les chapeaux, mon chat? Beauté. T'as mal à l'oreille? T'as mal à l'oreille? Baba. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Trop faim. J'ai tout le temps faim. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai mis un chapeau, il fait tellement, mais tellement chaud dehors, c'est incroyable. Du coup, j'ai préparé une boisson, donc je vous montre en ce moment, j'utilise vraiment genre water drop. C'est des micro-boissons parce que moi, à la base, j'aime pas boire de l'eau. Voilà, je suis comme ça. Parce que ça n'a pas de goût. Et donc, du coup, je bois de l'eau parce qu'il faut en boire et que c'est bon pour la santé. Mais voilà, j'arrive jamais à finir mes bouteilles. Donc, pour me motiver, en fait, j'ai Water Drop. Donc, c'est comme ceci. En fait, c'est des micro-boissons effervescentes. Donc, vous mettez directement dans un verre. Après, je vais vous montrer. J'ai aussi le thermos qui est vachement bien. Et en plus, il est hyper joli. Et du coup, vous n'avez pas de sucre. Donc, il y a le goût, base de plantes, etc. Mais il n'y a pas de sucre ajouté. Et ça, c'est hyper important. Parce qu'en général, moi, je prenais des boissons, genre par exemple les eaux sucrées. Je ne citerai pas les marques. Et il y a du sucre dedans. Donc, ce n'est pas forcément bon. Là, vraiment, c'est que des plantes, des vitamines. Et il n'y a aucun zéro sucre. Vous avez plusieurs saveurs. En ce moment, je prends le pêche-gingembre. Donc là, vous avez les micro-boissons qui sont juste à l'intérieur, donc les petites capsules. Vous les mettez, hop, dans un verre d'eau ou alors dans le petit thermos. Ça, c'est vachement bien parce que du coup, vous gardez la fraîcheur et dans des endroits comme Dubaï, je peux vous dire que c'est très compliqué. Donc là, après, vous mettez de l'eau, tout simplement. C'est effervescent et il n'y a pas besoin d'attendre que tout soit dilué. Et après, vous n'avez plus qu'à boire. Et moi, en général, ce que je fais, c'est que je mets carrément genre 2 capsules dans ma bouteille d'eau. Et du coup, je la bois tout au long de la journée. Ça m'aide vraiment genre à boire de l'eau et à rester hydratée. Je vous montre un peu le site. Donc, sans sucre, vitamines, vous avez des fruits et des plantes. Et moi, je sais que j'avais pris le coffret découverte plus la bouteille. Donc, c'est celui-ci. Voilà, vous pouvez choisir la couleur de la bouteille. Et là, vous avez 7 saveurs et dans chaque petit paquet, vous avez 30 micro-boissons. Donc là, vous êtes tranquille. Sinon, vous avez celui-ci, le coffret découverte. Mais là, du coup, vous avez pas, vous avez des saveurs qui sont vraiment très fraîches. Par exemple, la mangue, figue de Barbarie et artichaut. En plus, c'est que des choses qui sont bonnes pour le corps. Donc, ça vous permet d'avoir des vitamines, de vous faire du bien, de rester hydraté et tout ça. Vraiment, c'est un kiff et je vous en parle pas assez de cette marque parce qu'elle est vraiment, vraiment top. Donc voilà, là, vous avez tout. Je vous ai mis le site si ça vous intéresse et je vous donne aussi un code promo de moins 14%. Donc n'hésitez pas à le screener si vous souhaitez passer une commande. Franchement, parfois, c'est limite désespérant de regarder Twitter parce qu'il y a vraiment genre plein de nouvelles et il y a des trucs qui sont... Des fois, je me dis que je devrais
pas enlever l'appli parce que ça me permet de vraiment de parler avec vous et tout. Moi, j'aime bien Twitter. Je sais qu'il y en a plein qui disent « Ouais, Twitter, il n'y a que des rageux et tout. » C'est juste que les, voilà, c'est ceux qui se font allumer, j'en réfuis. Moi, quand je me fais critiquer sur Twitter, je me sauve pas pour autant, quoi. Donc, après, non, Twitter, c'est un réseau que j'aime bien. Franchement, je trouve que les gens, ils sont cool dessus. Ils disent juste ce qu'ils pensent. Après, oui, il y a des haters, il y a des rageux, mais bon, pas plus qu'ailleurs, hein, j'ai envie de vous dire. C'est juste que bah, sur Snap, vu qu'il n'y a pas de commentaires, voilà, c'est facile. Mais moi, ça ne me dérange pas. Genre, comme je vous ai dit, la critique, si elle est fondée et que je peux, ça peut m'aider à évoluer, je suis totalement ouverte à la critique. Je suis très loin d'être parfaite, hein, donc je le sais très bien. Mais ce qui me chagrine un peu, c'est pas genre les critiques et tout, parce que les gens, je les trouve plutôt bienveillants, en tout cas à mon égard sur Twitter. Des fois, ils font des blagues et tout, mais ça me dérange pas du tout. C'est juste qu'il y a plein de nouvelles, genre des nouvelles, des trucs graves et tout, genre la fille qui a disparu dans le lac, ça me fait trop de la peine. Genre, ils ont retrouvé son petit garçon sur un bateau tout seul, il a dit ma mère, elle a été nagée, elle est jamais revenue. Genre, ça me. C'est des trucs comme ça que je lis et du coup je me dis que peut-être que je devrais pas les lire parce que du coup ça me met dans un mood un peu triste quoi. Bon, du coup j'ai pas mal de questions aussi pour SoShape, donc là je sais que c'est l'été, il y en a qui veulent perdre du poids, etc. Donc je vous réexplique. En fait SoShape c'est un régime, clairement. Sauf que c'est un régime qui est vachement bien fait parce que dans la journée vous pouvez manger à un moment donné ce que vous voulez. Donc en gros le matin berlingot sucré, le midi repas libre, le midi vous mangez ce que vous voulez. Le berlingot sucré, il y a plein de saveurs. Vous le préparez dans ce shaker. Vous mettez 300 ml d'eau. Vous mélangez le berlingot, il est prêt, c'est super bon. Donc matin, berlingot sucré, midi, repas libre. Et le soir, vous avez des repas salés avec des vraies pâtes, genre penne arrabbiata. Vous avez risotto au champi avec du vrai riz. Donc c'est assez consistant. Et comme je vous dis, le midi, vous avez votre repas libre. Là, vous choisissez votre challenge. Donc vous avez 5, 14 ou 28 jours. 5 jours, c'est juste pour éliminer un excès. 14 jours, c'est pour s'affiner. Et 28 jours, c'est pour clairement changer de taille. Voilà, donc après, c'est vous qui choisissez la durée, c'est vous qui choisissez vos saveurs. Voilà, donc là, j'ai tous mes berlingots, les sucrés, les salés, vous avez plein de saveurs différentes. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, un berlingot, c'est super simple, il n'y a pas besoin de mesurer. Vous mettez l'intégralité, si vous voulez les transporter, bah, c'est super facile, vous mettez dans votre sac et tout ça. Et voilà, il y a plein de saveurs différentes en fait. Là, on a les trois challenges qui sont juste ici. On va choisir par exemple 14 jours. Hop, continuer. Et là, du coup, vous choisissez. Donc, vous avez les plats, vous mettez un petit plus à chaque fois. Vous avez les veloutés et là, vous avez tous les shakers sucrés. Donc, ce qui est vachement bien, c'est que vous pouvez choisir. Donc, prenez l'option perso pour pouvoir choisir plus de 6 saveurs. Du coup, elle est payante. Je vous donne le petit code habituel, comme ça, vous ne la payez pas. Screenez-le bien et gardez-le, ce code. Du coup, aussi un code promo pour la Smart Food. Donc là, vous avez les pancakes. Ils sont vraiment bien, comme je vous dis. Il n'y a rien besoin de rajouter à part de l'eau. Ils sont déjà prêts et ils sont genre sans sucre et sans calories. Pareil, le granola aux fruits rouges, au chocolat. Donc là, vous avez juste à mélanger. Mettez de l'eau bien fraîche parce que c'est encore meilleur. Et là, j'ai pris le cookies and cream. Celui-ci, c'est un de mes parfums préférés parce que du coup, il y a des petits morceaux un peu d'Oreo et c'est hyper agréable. Après, il y a aussi des saveurs sans morceaux. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien quand il y a des petits morceaux, voilà. Bon, ça y est, déjà, on a monté tous les cartons, donc rien que ça, c'est saoulant. Et c'est des cartons qui sont trop bien parce qu'il y a une barre dedans. Donc, il n'y a pas besoin de plier, en fait, pour les flemmards. Il y a juste besoin d'accrocher. On a organisé un Insta Story avec une amie à moi qui s'appelle Paola Locatelli, qui est juste magnifique. Et du coup, on s'est dit qu'on allait prendre comme thème la confiance en soi, parce que je pense que c'est un super bon sujet. Franchement, elle m'a donné cette idée et je trouve que... Voilà, il y a des belles choses à développer là-dessus. Du coup, voilà, je vous donnerai l'heure. Normalement, c'est vendredi en live sur Instagram. Nabila X Paola. Et voilà, on se maquillera. On vous donnera des petits conseils make-up et tout ça. Et on répondra aussi à vos questions, si vous avez des questions. Je sais que la dernière fois, ça vous avait beaucoup plu, le live que j'avais organisé avec Camille Lelouch, où du coup, on se maquillait, on parlait un petit peu, etc. On était vraiment très nombreuses, donc je me suis dit que voilà, j'allais vous en refaire un. Donc vendredi, en direct sur Instagram, petit live make-up, blabla, etc. Donc là, je vais appliquer le Coco Smooth, c'est un contour des yeux de chez Hello Body. C'est une petite pépite, c'est hyper important les contours des yeux. Et celui-ci, en fait,
Je l'appelle anti-cerne, ça lisse aussi le contour de l'œil, ça prévient les rides, les ridules, ça hydrate et surtout ça enlève le côté puffy, genre gonflé qu'on peut avoir le matin. Donc un contour des yeux, vous en appliquez un tout petit peu. Voilà, vous mettez en dessous de l'œil et après vous tapotez tout simplement et vous laissez agir. Après vous attendez genre 2-3 minutes et vous pouvez vous remaquiller par-dessus. Et donc celle-ci, elle est vraiment très bien, c'est celle que j'utilise matin et soir. Donc en fait, c'est une mousse nettoyante visage. Vous pouvez l'utiliser genre pour vous démaquiller, pour vous nettoyer la peau le matin. Alors moi, c'est un indispensable. Et franchement, je crois que c'est la dixième en fait que j'ai. Parce que j'utilise que ça pour me nettoyer le visage. J'aime bien la texture de mousse. Je vous montre en fait, c'est hop, comme ça. D'ailleurs, il en reste encore plus. J'aime bien la texture de mousse. J'aime bien l'odeur. C'est anti-bouton. Donc, ça purifie la peau. En même temps, c'est hydratant. Et j'aime bien le rendu que ça a sur ma peau quand je rince. En fait, j'ai une peau qui est toute lisse, toute propre. Donc, voilà, je vous recommande aussi. Donc, pour Hello Body, je vous donne un moins 50% qui est valable sur tous les sets. Pendant 24 heures, donc capturez-le parce que même après 24 heures, il est encore valable du coup. Il est moins avantageux, vous avez moins 30%, mais bon, c'est quand même un code promo. C'est quand même une réduction, donc gardez-le, je vous le mets juste ici. Et après, je vous parle de l'engagement des logos. En fait, ils ont créé des sets juste ici. Rien Brokis and Rich. Et à chaque fois, vous avez le gommage pour les lèvres et l'hydratant. Donc en plus, des super couleurs. Le gommage, vous allez voir, ils sont vraiment bien. Parce que du coup, même avant d'appliquer genre un lipstick, un gloss, ça vous fait des lèvres genre sans sécheresse, qui sont très lisses et tout ça. Et c'est plus joli. Donc là, ils ont fait ces trois sets. Et à chaque fois, vous avez 1 € pour l'achat de ce set qui est offert, qui est reversé pardon, à la fondation Le Refuge. La fondation Le Refuge, elle a pour but de prévenir l'isolement et le suicide des jeunes de 18 à 25 ans, victimes d'homophobie, de transphobie et de situations de rupture familiale. Vous voyez, en fait, comme là, c'est parfumé, pêche, gingembre, c'est trop bon. Du coup, j'ai vu mon verre, j'ai envie de le boire. Si je vois une bouteille d'eau, seule comme ça, j'ai pas envie de l'approcher. Par contre, ça, oui. En plus, il y a une petite couleur et tout. Donc, c'est cool. Bon, c'est sans colorant, c'est naturel, hein, mais ça donne envie, quoi. J'ai vraiment hâte de faire ce live parce qu'il y a plein de choses que vous connaissez peut-être pas sur moi. Parce que c'est vrai que on a toujours l'impression que ouhou, j'ai trop confiance en moi, que tout me réussit, que c'est super, que j'ai la vie de rêve et tout ça. Je vois tellement de messages qui vont dans ce sens, qui disent « Nabila, t'as trop réussi, t'as la vie parfaite et tout ». Alors détrompez-vous, ma vie elle est loin d'être parfaite, vraiment très loin. Je suis très fière de ce que j'ai accompli parce que je l'ai accompli seule. Donc voilà, je suis très fière de m'en être sortie toute seule parce que c'était très très dur. Je suis très fière d'être là où j'en ai aujourd'hui, là où j'en suis aujourd'hui. Ouais, c'est mieux quand même. Mais ne croyez pas que ma vie elle est parfaite. Hein. Voilà, j'ai aussi des problèmes comme tout le monde, j'ai des doutes, je culpabilise beaucoup, je suis quelqu'un qui culpabilise à chaque fois. Maintenant que j'ai mon fils deux fois plus, donc voilà, je vous en parlerai vraiment dans le live. Mais surtout, ne croyez pas que vous êtes moins bien que les autres ont réussi. C'est complètement faux, ne vous sous-estimez pas, ne croyez pas que vous êtes nul. Tout ça parce que vous ne faites pas de photos sur Instagram, que vous n'avez pas de likes, que vous ne gagnez pas je ne sais combien par mois. C'est pas vrai du tout. Hein. L'argent, ça fait pas l'homme. Hein. C'est pas parce qu'on est riche, qu'on est intelligent, qu'on est beau. Non, c'est un confort de vie, oui, c'est sûr. Il y a plein de choses qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire quand on n'a pas d'argent. Mais ce que la personne a à l'intérieur, c'est l'argent, ça n'a rien à voir. Moi, que j'ai de l'argent ou pas, j'ai toujours été la même personne. Je n'ai pas changé parce que j'ai eu de l'argent. Mes proches, ils le savent, mon mari le sait. Donc voilà, c'est un confort de vie, oui, mais c'est rien de plus. Hein. Et surtout, 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 ne croyez pas que parce qu'on a de l'argent, on n'a plus de problème. Vraiment, au contraire. Je peux vous dire que ça crée beaucoup plus de problèmes que vous le pensez. Je ne vais pas donner de détails, mais voilà, plein de gens qui viennent. On ne sait pas par quoi ils sont intéressés. Si c'est pour vous, votre personnalité, vos followers, votre argent. Enfin, ça change plein de paramètres, en fait. Et voilà, c'est pas ce que vous pensez, vraiment. Voilà. Répondre à votre question, est-ce que j'étais plus heureuse avant ou maintenant? Donc forcément, je vais vous répondre maintenant, parce que maintenant, j'ai mon fils. Et mon fils, c'est la plus belle chose au monde qui me soit arrivée. Genre, j'ai même pas les mots pour expliquer ce que je ressens pour mon fils, en fait. Parce qu'il n'y a pas de mots, en fait. C'est au-delà de tout, de tout, de tout.
au-delà de l'amour que je ressens pour tout le monde, mon fils est numéro un. Mais avant, j'étais très heureuse aussi. Et vous allez dire que je suis rabat-joie ou un peu vieux jeu parce que je dis que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais oui, je vous le répète, l'argent ne fait pas le bonheur. Moi, quand je n'avais pas beaucoup d'argent, j'étais très heureuse avec mes copines, avec ma famille. Il n'y a rien vraiment qui a changé. Sauf que maintenant, quand je veux m'acheter une voiture, je m'achète une voiture. Quand je veux m'acheter un sac, je m'achète un sac. Quand je veux m'acheter une maison, je m'achète une maison. C'est cool. Merci mon Dieu. Merci à moi d'avoir travaillé pour avoir ça. Mais le bonheur dans mon cœur, c'est pas du tout grâce à l'argent. Rien à voir. C'est vraiment... C'est au-delà de tout ça, en fait. C'est pas parce que je peux m'acheter plein de choses que je suis au-dessus des autres. Bien au contraire, des jeunes femmes comme moi, il y en a des millions dans le monde, des bien plus belles, bien plus intelligentes, etc. On est tous différents. Mais voilà, c'est sûr que bah, pour arriver à ces objectifs, je ne sais pas quels sont les vôtres, ils sont tous différents. Mais moi, mon objectif, c'était d'arriver là où j'en suis maintenant. Donc avoir ma famille, construire, avoir ma maison, avoir ma propre marque, c'était mon rêve. Donc je me suis accrochée à mes objectifs et voilà, j'ai rien lâché. Quand je suis tombée, je me suis relevée, et quand je dis tombée, c'est genre s'éclater la tête par terre, hein. C'est pas genre tomber, c'est genre tomber tête la première, parce que moi je suis vraiment tombée dans ma vie, vraiment très bas, je suis vraiment tombée très bas et voilà, je me suis toujours relevée. Donc voilà, et c'est vrai que j'aime bien discuter de plein de choses avec vous parce que vous me connaissez et que j'aime bien échanger aussi, et que moi je suis sans langue de bois et que je suis pas là pour m'inventer une vie ou une image ou quoi que ce soit. Après voilà, il y a des gens qui me disent oui, la télé et tout ça. Aujourd'hui je suis maman, mon choix c'est de partir dans une autre direction. La télé-réalité, ça, honnêtement, je vous jure, j'adore et tout, c'est cool, mais ça ne m'intéresse plus. Personnellement, parce que voilà, j'en ai fait, j'avais 20 ans, là je vais sur mes 30 ans, je me vois pas aller dans une maison gueuler, enfin c'est plus en fait mon truc. Ça l'a été, c'était une super expérience, c'était vraiment trop marrant, j'ai rencontré mon mari et tout, mais à l'heure d'aujourd'hui, voilà, c'est vrai que ça ne m'intéresse vraiment plus. Et vous savez que moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime évoluer. J'aime bien créer des choses. J'aime bien les challenges. Et voilà, pour moi, cette case télé-réalité, voilà, je l'ai cochée, je l'ai vécue. C'était une super expérience, mais je ne me vois pas jusqu'à 40 ans ou 35 ans dans une émission, quoi. Je ne sais pas, c'est une suite logique. La vie, c'est une évolution. On est petit, ensuite on est moyen, ensuite on est vieux. On évolue et ouais, pour moi ça fait partie de mon évolution, même si je sais que ben, y a plein de personnes qui m'associent encore à ça, parce que c'est sûr que quand on passe inaperçu dans une émission, c'est facile après de se détacher de ça, mais moi dans les émissions que j'ai fait, ben, je suis pas du tout passée inaperçue, donc ben, voilà, forcément c'est un peu plus compliqué, mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'évoluer, de tourner la page là-dessus. Et moi, vous ne me verrez jamais dire genre « Oui, la télé-réalité, c'est horrible, je regrette. Regardez ce que c'est devenu. » Non, arrêtez de dire ça. Genre, ça, c'est les gens qui sont frustrés, en fait. Mais c'est vrai, c'est des gens frustrés, genre qui se croient au-dessus alors qu'ils sont en dessous. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie. Faut arrêter de se croire supérieur. Personne n'est supérieur à personne. C'est juste que chacun prend des chemins différents, en fait. Il faut respecter les autres. C'est pas parce qu'on prend un autre chemin qu'on doit écraser les autres qui ont voulu faire ça. Moi, je suis pas du tout comme ça. Mais je vous ai dit, la seule chose où je serais d'accord d'ouvrir mes portes aux caméras et de vous partager des choses, c'est si c'est dans ma vraie vie. Voilà, vous montrer des choses que vous voyez pas forcément sur Snapchat, vous ouvrir les portes de ma vraie vie, genre de ma vraie vie, que personne connaît vraiment, en fait. Et voilà, ça, je serais d'accord de le faire. Ça, ce serait OK. Donc voilà, après, je pense qu'on est tous différents et qu'il faut respecter vraiment les choix de chacun sans dénigrer, sans se croire supérieur, juste en étant genre cool, peace, moi, je fais ci, toi, tu fais ça, mais c'est cool. Tout est cool, en fait, vraiment. Mais voilà, je voulais juste pas mettre un peu les choses au clair parce que j'ai pas mal de questions qui reviennent assez souvent, et comme ça je me suis dit que voilà, au moins c'était clair. J'ai aussi pas mal de questions concernant mon mariage avec Thomas. Donc c'est vrai que on s'est mariés quand j'étais enceinte de mon fils, et on a fait ça dans une mairie à Londres avec uniquement nos deux mamans. Voilà, c'était très en comité très restreint. C'était un jour merveilleux, vraiment, j'en revenais pas. Le soir, j'ai pleuré, même la demande en mariage, j'en revenais pas. J'ai encore des émotions parce que
Parce que voilà, notre histoire, elle est atypique, mais elle est tellement belle, elle est tellement vraie, et on a eu des hauts et des bas. Et aujourd'hui, je me dis que c'est ça qui fait notre force, et c'est ça qui fait la beauté, en fait, de ce qu'on est devenu et de notre relation. En fait, vous allez, je sais pas si vous êtes tous en couple ou pas, je pense pas, mais pour ceux qui sont en couple ou même qui sont pas en couple, vous verrez quand vous êtes dans une relation et que vous vivez quelque chose de pas très cool en fait avec votre partenaire, bah sur le coup c'est très dur et tout. Et vous allez voir quand la chose pas très cool elle est passée, vous allez être tellement solidaire, tellement soudé, je veux dire, parce que vous avez réussi à deux à surmonter quelque chose et d'insurmontable, vraiment. Et vraiment vous êtes que fiers et ça va vous vraiment vous souder en fait. Et voilà, on s'est marié avec Thomas à Londres et c'est vrai qu'on s'est promis qu'on allait faire une fête voilà avec nos familles, mon papa, son papa, nos amis, ma grand-mère quand même. Plein de gens qui avaient pas pu être là, comme on organisait ça pardon un peu rapidement, que j'étais enceinte, c'était pas vraiment facile pour moi à ce moment-là. Et du coup, on s'est dit qu'on allait organiser notre mariage, notre vrai mariage, enfin, avec tous nos proches, nos amis et tout ça. Donc ça aussi, c'est quelque chose à venir et qu'on a vraiment envie d'organiser ce mariage avec tous nos proches, que je puisse avoir un vrai mariage, en fait, choisir mes fleurs, les couleurs de ma table, etc. Donc voilà, il y a ça aussi qu'on va sûrement organiser cette année parce que j'ai plein de questions là-dessus. Et oui, on va organiser notre mariage, c'est toujours prévu. J'espère que ce sera pour cette année. Je me dis que ce sera cool parce que du coup, il y aura mon fils qui sera là et pas dans mon ventre. Et il pourra mettre un petit costume et tout. Voilà, trop bien. Donc voilà, pour répondre à vos questions, oui, on va bien organiser notre cérémonie, enfin notre vrai mariage normalement cette année, mais oui, c'est toujours d'actualité et bien entendu, c'est toujours prévu. Après, on n'est pas encore d'accord sur plein de choses comme d'hab, hein, mais il y en a un qui veut se marier à la plage, moi dans un château. Je vous avais dit, j'ai trop envie de me marier dans un château en France, mais on verra. C'est les Good Sun de La Chilet Beauty. Je vous montre. Hop, donc en fait, c'est sous forme de petits bonbons, des petits gummies. Et à l'intérieur, vous avez donc des vitamines, bêta-carotène, vitamine E. Ça permet donc de vous donner un teint hâlé, de préparer la peau au bronzage si vous vous exposez et de prolonger votre bronzage. Donc du coup, si vous bronzez, vous allez le rester plus longtemps. Vous avez tous les ingrédients qui sont juste au dos. Et là, fabriqué en France, sans gluten, sans test sur les animaux et sans colorant artificiel. Après, il y a plusieurs gammes qui existent, mais celle-ci, pour le teint, la couleur de peau et tout, elle est top. Donc vous prenez deux petits gummies par jour. Après, moi, j'aime bien ce qui est sous forme de petits bonbons. Parce que du coup, déjà, il n'y a pas besoin d'avaler avec de l'eau. Vous prenez juste comme ça, hop. Il y a tout ce qu'il faut. Et c'est aussi efficace que les gélules, etc. En plus de ça, il n'y a pas la pellicule. La pellicule, vous savez, quand on prend les petits cachets, il y a un genre de pellicule autour. Vous avez tous les produits La Chilet Beauty. Ça, les filles, pour la pousse des cheveux. C'est génial. D'ailleurs, ils ont eu un prix. À chaque fois, vous avez un mois, trois mois ou six mois. Vous avez les détox, les good night et les good sun, ils sont juste ici. Donc pareil, c'est bien aussi de le prendre en continuité, en continu pardon. Donc là, vous avez tous les ingrédients. Vous en prenez simplement deux par jour, peu importe à quel moment de la journée. Dis donc, tu cries pas sur ton père, hein? Dis donc. Ah bon? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il fait, celui-ci? T'as mal au ventre, chérie? T'as mal au ventre. Je sais que t'as mal au ventre. Tu peux être pas. Tu fais pas mal. Il compte faire l'usté cru qui n'en a pas voulu. Lui dit pour un lapin, votre chat est vendu. Je vous mets des mémories à chaque fois parce que moi-même j'en reviens pas. Et franchement, quand on a un enfant, parfois je tombe sur des mémories
Je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas passé aussi vite. Comme il a changé, comme ça a grandi. Alors tout le monde nous le dit, donc on est là, oui, ok. Mais quand on le vit, c'est dingue, quoi. Ça va trop vite. Ah, calme, Mylène. Parle à maman. Parle à maman. Ah, calme.